Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Black Widow Challenge. Donc là, j'étais en train de remonter les besoins de Lou. Voilà. Et en fait, Victor est en train de mourir. Donc j'ai fait de suite pause. Donc voilà, Victor est en train de se noyer. Voilà. Et il y a la mort. Arrive. Du coup, il est. Ah oui, il est encore dans l'eau, en fait. Je savais pas. Voilà. Et elle est toujours pas morte. Noyade par noyade, c'est plus rapide, il me semble. Bon, ça y est? Voilà. Donc on a la tombe là. Je pense que je vais la mettre dans l'inventaire, voilà. Eh ben merci. Merci Monsieur la Mort. On va mener à se revoir. Du coup. Voilà, on va supprimer tout ça. Voilà. Parfait. Donc elle dort tranquillement, c'est parfait. Peut-être faire un cimetière avec toutes les tombes. Une genre d'entrée secrète dans le jardin qui va dans une grotte. Dans une grotte. Pardon. Ou un sous-sol. Pas un sous-sol, mais une grotte, quoi. Ouais. Du coup, en fait, il faut que j'enlève les fondations si je veux faire un sous-sol. Voilà, peut-être une marche comme ça, ça va. Voilà. Et voilà. Ah, du coup, c'est une urne. Ah, ce n'est plus une tombe.
D'accord, ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Faire le deuil de Victor, non? Est-ce que tu peux? Ça fait quoi en fait faire le deuil? Ah bah elle est là. D'accord, ok. Allez. T'inquiète, on s'en fiche. Ça fait pareil que le mur là en fait. Voilà. Et là le but ça va être de le camoufler. Peut-être. Voilà, je vais voir si elle peut y aller. Voilà. Parfait, elle peut aller, c'est nickel. Donc, il faut qu'elle aille dormir. Voilà, on arrête de faire ça. Viens dormir. Et... non, celle-là, je l'ai mis un petit peu... verrouillée pour tout le monde sauf Lou. Voilà. Hein? Tac. Tac. Voilà, parfait. Voilà. Demander à Victor comment s'est passée la journée. Non, mais non. Embrasser langoureusement. Voilà. Allez, va dormir. De toute façon, t'es crevé. Voilà. Hein. Faire une sieste. S'asseoir. Tu vas faire à manger. Prendre un brunch. Des fruits avec de la salade. Elle n'est pas encore morte. Elle m'a gavée. Oh là là. Mince. Voilà. Mince. J'étais juste allée faire pipi pendant ce temps que Trugmuche là, elle est morte. Donc je vous remets. Voilà, parfait. Il y a la mort. Ah, on va pouvoir enlever cette salle là. Prochaine fois, on les mettra dans la grotte en bas. Hein, pour qu'ils meurent. Oh là là. Allez, va-t'en. Parfait. Merci. Donc, ben, les urnes des... De la famille, je sais pas où les Ah, mettre. Donc le chevalet. Où il est passé le chevalet? Aucune idée. Donc est-ce qu'elle va... Non, elle est veuve et elle va accoucher incessamment. Donc... T'as pipi aussi. Va faire pipi. Et où est notre chevalet? Et là, je pense qu'on va changer le ordinateur, parce que sinon, en fait, elle va aller toujours en bas pour faire de l'ordi.
Tiens, tu vas te mettre à faire un petit peu de yoga. Ça te fera du bien. Du yoga. Alors, normalement, on avait un cheval. C'est magnifique, ma chérie. Parfait. J'adore. Bon. En plus, ça fait l'ombre là. C'est trop beau. Il y a encore la mort là. Qu'est-ce qu'elle veut? La faucheuse, je veux dire. Ah oui, d'accord. Bon, bah, tu lui diras salut, hein. Faut être aimable. Qu'est-ce? Ah, m'a fait peur. Oh, m'a fait trop peur. J'ai cru qu'elle allait tuer ma Sims. Non, alors fais pas à manger, va directement faire pipi parce que là, tu peux plus durer. Ce téléphone sonne tout le temps quand il faut pas. Ça va être du jardin. Tu vas faire une salade. Voilà, ça va être bien. Tu vas voir. Ça va être trop bien. Après, tu vas te détendre. Posture du salut. Tu vas faire la posture du salut. Et tu vas admirer le bonheur. Non, tu peux pas. Lou ne peut pas faire ça en étant enceinte. D'accord. D'accord, d'accord. Et tu vas faire une toile triste. Hein. Au moins, tu vas décharger tout ce que tu as. Hein. Et si tu veux pleurer, bah, tu vas pleurer aussi. Hein, tant qu'à faire. Allez. Que ça te passe vite. Tu vas bientôt accoucher en plus. Oh, mon dieu, il va falloir faire une chambre pour le mioche. Ça va être folklorique. Et j'aurais bien aimé faire des escaliers ici, dans ce hall. Mais on va devoir agrandir la maison. Je fais toujours de la construction, moi, au final. Alors, qu'est-ce que c'est la posture du salut? Ça y est, t'as fait ta posture du salut. Ben, c'est très bien. Mais tu vas la refaire aussi. Hein. Hein, voilà. Oh, ben... T'es forte. T'es très forte. Voilà. Non, tu ne fais pas une sieste sur ton canapé. Tu peux aller dormir dans ton... D'abord, t'as envie de faire pipi. Oh, tu me déprimes. Oh, fou. Activer l'aura émotionnelle. Ah non, 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 surtout pas. C'est une toile triste. Donc surtout pas. Et tu vas prendre une douche méditative. J'ai entendu parler du décès de proche. Allez, va te faire voir, on s'en fiche. En plus, attends, pourquoi tu es triste? Tu t'en fiches? Regarde, t'es toute belle. T'es enceinte, t'es toute belle, t'as ta masse de sous. T'as pas à être triste. Non, non, non. Là, tu vas prendre un majordome hein, pour qu'il te fasse le ménage et tout. Hein. Ça va te détendre, je pense, en plus. Hein. Engage quelqu'un. Engagé. Gna gna gna. Comme traiteur. Aucune idée. Ouais, engage bidule comme traiteur, ça va te changer les idées. Et tu sais quoi? Tu vas faire, tu vas créer un événement social. Ah ben voilà, il est sympa lui. Tu vas créer. Un dîner. Sympa ça. Toi, tu es l'hôte. En plus, l'autre, elle a crevé, donc on est tranquille. Ah ouais, tu connais personne en fait. C'est pas grave, on va inviter tous ceux qu'on connaît. Au moins, traiteur.
Ah non, ça c'est le vampire, donc tu en invites un autre. Voilà. Parfait. Et on va rester sur notre résidence. Parfait. Il faut que j'arrête de dire parfait parce que ça va plus aller. Demander de partir, non. Donc on va organiser une. Ouais. On va faire ça. Ça serait bien que tu aies une salle de réception ou un truc comme ça.
Voilà. Bref, au final, j'ai fait beaucoup de modifications. Et la chambre du petit, je pense qu'on le fera. Je le ferai hors vidéo, en fait. Voilà. On va faire le. Espérons que le dîner se fasse. Alors. Ah! Ils sont là. Bah, tu vas venir accueillir les. Ah, pourquoi ils passent par là-bas? Parce que cette porte est. Tout le monde, voilà. Je sais pas où ils sont, du coup. Bon, ils sont là. Venez ici, où ils sont? Où sont mes invités? Là, il y en a un là. Hop là. Là, donc, attends. Remercier d'être là, voilà, fais ça. Mince. Remplacer. Va remercier d'être là. Va le remercier d'être là. Et. Ah voilà. Attention. Remercier d'être là. Et remercier d'être là. Voilà, au moins comme ça. Je me demande pourquoi ils rentrent tous par là. Pourtant, cette porte n'est pas autorisée l'accès, débloqué. Débloqué, voilà. Ça, par contre, il faut que ça reste bloqué. Voilà, parfait. Très bien. Ah, je crois bien qu'il y a trop de traiteurs, du coup. Viens renvoyer lui, demander de partir, voilà. Merci. Raconter des blagues, préparer des boissons. Appeler les invités pour le repas. Appeler à table. Ouais, mais non, je veux le mettre là. Youp. Ici. Mon Dieu, ils m'ont mis de partout. Là. Là, voilà. Demander de partir, ouais, fais ça. Viens mettre la table. Mettre la table sophistiquée. Triangle, voilà, fais ça. Non, tu vas pas lui crier dessus, hein. Allumer, musique d'ambiance, voilà. Allez, va mettre la table. Voilà, fais ça. Et tu vas appeler à table après. Non mais qu'est-ce qu'il fait? Il se sert dans le frigo? Non mais. Sont pas gonflés? J'y crois pas. Non mais attendez, vous savez quoi? L'ordinateur. Voilà, il n'y en a plus. Hein, parce que si vous venez là pour. Après, à lui, tu vas lui raconter des blagues. Donc, amour, malice. Drôle. Elle ne va pas être drôle. D'accord. Trop triste pour cela. Viens danser. Voilà. Et ça, nettoyer. Range-moi ça. Oh, la gazinière, elle est encore toute. Non mais c'est pas possible ces électroménagers. Voilà.
Non, après, on rangera tout ça. Remercier, voilà. Remercier. Voilà. Se disputer, non. Oh là là. Voilà, allez, t'es gentil. Faire connaissance. Voilà. Illuminer la journée. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Où il va? Non! Où tu vas? Je sais pas ce qu'il va faire. Autoriser l'accès. Verrouiller la porte pour tout le monde sauf Lou. Tu peux pas. C'est fermé. Voilà. C'est pas possible, ces Sims. Non, tu me laves ça. Amical. Raconte des blagues. Alors, elle est trop triste encore. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Salut. Souffle. Raconter une histoire délicieuse. Oh, Boogie gone. Voilà. Sniba, Sniba, of course. Se renseigner sur la carrière, voilà. Voilà. Renseigner. Flatter, voilà. Hop, il y a eu un bug. D'accord. On a appris qu'il était agent. D'accord, c'est bien. Se plaindre du plat. Non. Demander comment s'est passée la journée. Demander comment s'est passée la journée. Voilà. Demander comment s'est passée la journée. Voilà, tu demandes à tout le monde. Où tu vas, toi? Non, tu vas pas là-bas. De toute façon, tu peux pas. C'est fermé. Elle est en train de me mettre des trucs de partout, elle. Voilà, tu peux pas. Voilà. Faire écouter la Shinichi à plusieurs Sims. Allez, venez écouter la Shinichi. Donc toi, tu vas éteindre ça, hein, oh. Écoutez, voilà. Allez. Elle a envie de faire pipi, mince. Allez, va faire pipi et reviens. Oh, mon dieu, la chef, elle nous a mis un bordel terrible, là. Non! Tu t'es pas fait pipi dessus, mais j'y crois pas. Va te laver vite. PSOS tristesse et mon dieu, la soirée est finie et ils ont rien fait du coup. Est-ce qu'elle va tout laver, elle, parce qu'elle nous en a mis partout? Où tu vas? Tu vas laver là? D'accord, ok. N'importe quoi. J'y crois pas. Et en plus, elle est fracas. Bon.
Bon, bah, c'était une soirée foutue. Bon, je vais vous laisser sur ce désastre. Voilà, dîner terminé, elle a les fesses en l'air. Il y a de la bouffe de partout. C'est le chaos. C'est le chaos. Voilà. Je vous dis à plus dans un nouvel épisode. Ciao!